Dans la République la Jovenel, les Moïse a fait une visite supervision samedi dimanche passé à la construction d'un barrage hydroélectrique sur rivière Marion qui trouvait dans nord-est pays d'Haïti. Barrage a fait sous expertise technicien qui bien haïtien, c'est un plus gros barrage pays après le gain après Pélig qui était construit sous président Dumarset estimé. Nous avons invité à suivre un compte rendu avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Barrage hydroélectrique ça cap construit sous rivière Marion en pral desservi plusieurs communes ak localités dans département nord-est là tant kou Malfeti, La Cul samedi, Grand Bassin, Savane Carré ak l'autre encore. L'a rempli trois fonctions en même temps. L'a distribuer courant électrique, l'a permettre moun yo joindre de l'eau potable dans robinet yo et puis l'a arrosé plusieurs plantations pour agriculteurs yo dans département ça. Jodi a moi que rêve nous te gen pour Haïti a, il commencé concrétiser. Parce que je dis, nous sortons dans la parole, nous tombons dans l'action qu'on a. Jean-Président a toujours dit dans la campagne là, eh bien, je dis, nous voyons que dans un an, eh bien, le président a commencé à réaliser le rêve. Ça, son rêve. Regardez le grand espace là, quand le matériel qu'il a pour venir faire travailler ça ici dans Marion, le côté pays n'a pas même qu'on est. Mais avec le président Jovenel, eh bien, Livigny avait là, il dit, il pourrait doter le pays de une deuxième centrale hydroélectrique qui pourrait jouer deux rôles. Non seulement, bail courant, j'en ai pour mettre actuellement de 17 mois, et puis encore permettre que les paysans trouvent de l'eau pour les terres. Quelques ouvriers sous chantier a expliqué, depuis même avant le tenant tête pays, le président Jovenel Moïse a fait plusieurs démarches pour qui Jean, Rivière Marion, qui a servi le département nord-est là. Journée jodia, chef l'État pense que le travail doit avancer plus rapide pour permettre à la population de bénéficier de tout avantage qui gagne dans la rivière. La République dominicaine gagne presque 7 milliards de mètres cubes d'eau presque qui conservés dans le pays. Mais dans quelle époque que vous avez commencé le travail? Ça a peut-être 20 ans. Cuba était barré en pile coup. On dit 30 ans. C'est même expert cubain ça. Non, coopération cubaine aujourd'hui. Non seulement Cuba a besoin de coopération dans l'éducation, dans la médecine, mais aujourd'hui, dans l'agriculture, nous choisissons de partir ça. Ça qui est la rétention de l'eau pour l'heure, nous avons une période de sécheresse pour nous causer des terres. Nous avons près d'une douzaine d'ingénieurs cubains spécialistes qui l'a. Qui est accompagné de laboratoire national. Toute étude géotechnique, géophysique, c'est nous-mêmes qui faisons. C'est le laboratoire national pays d'Haïti qui fait. Et nous accompagnons d'autres ingénieurs haïtiens qui sont ensemble avec nous tous, ensemble avec Cubains. Ce sont équipes de techniciens solides. Ce sont de grands experts qui viennent là. Ça veut dire barrage ça, études géotechniques et géophysiques fait. Laboratoire national fait forage sous presque 27 puits, ministre. 27 puits. Pour faire étude pour dire que barrage est possible pour barrage ça fait. Barrage hydroélectrique sous rivière Marion, c'est le plus gros barrage Haïti pour le gagner après Pélig qui était construit depuis sous président Dumarset estimé ça a gagné 72 l'année. Technicien pour l'installer tout, il y a un réservoir qui gagne capacité 10 millions de mètres cubes et une station pompage qui a fonctionné grâce à l'énergie soleil là. Merci à la collaboratrice nous, Sabine Jean-Étienne et à Jean-Naël Duvernay qui t'a présenté nous compte rendu ici là. L'autre information qui est toujours concernée l'activité présidentielle pour nous faire connaître la construction route, c'est Inche Saint-Raphaël a avancé à grand pas. Président de la République, Jovenel Moïse, qui t'a fait une visite état avancement travail ça y pendant le week-end, il a demandé de fonds de l'Union européenne et l'Agence française de développement pour financer la construction de l'autre tronçon route dans le département nord pays d'Haïti. Diverses constructions ont entré dans le cadre de vision chef l'État pour y faire 4000 km route avant l'année 2022. Compte rendu toujours à Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Visite supervision ça permet au président République la garder dans qui point chantier route Inche Saint-Raphaël laye. En attendant route ça fin construit, déjà il y a 4 ponts à Kion Dalo qui sont finis sur route nationale numéro 3. N'a parlé de pont Grandkine, pont Colader, pont Bohok, pont Bouyaha ak Dalo qui sous ravine Citron. Une réalisation qui coûtait environ 6 millions d'euros. Pour moun dans différentes localités ça yo, problème retirer souliers pour traverser passe Blois fini. Mais pour un jour faire là,
bien remis le passé, nous battons jambes pour ce rafale, qu'on a nous bon pour prendre nous rafale, qu'on a ces routes là nous besoin. Ils vont tirer route en bas, quoi nous besoin encore. De quoi si le président te fait pour nous, nous sommes contents. Parce que là, bon à marcher. Et puis les filles ont besoin de la paix, la besoin de travail pour nous entrer là-dedans. Moi, mes ponts, les bateaux qui pont, si mon décolleté qu'on a mouru la rivière, si ça fait mal aux autres dans le monde, l'eau qu'on prend, les cyclones, les cyclones passés, on a nous qui pont, nous sommes contents. Vous avez laissé Savanbouk. Oui, c'est Raphaël, c'est son bouillara, oui, c'est Raphaël. Nous comptons pour pont, nous comptons. Et nous disons, président, merci, nous t'écoutons, nous t'avons voté, président, nous t'avons un bel pont, ça, nous dit merci encore, pour si mon décolleté pas mourir dans l'eau encore, parce que l'on est cyclone passé, si vous voulez croire, il prend gros gros, il va prendre l'eau. Pendant que vous êtes dans le marché, vous êtes à faire un coup dans la porte ou tomber. Tout allait, vous êtes à migrer, vous êtes à acheter du crédit. Président républicain Jovenel Moïse remercie Union européenne avec l'Agence française de développement pour financer. Chef l'État a profité de des bailleurs de fonds qui impliquaient pour aider l'État haïtien à exécuter construction de l'autre route importante dans le département Noah.